On les a massacrés, un petit peu comme les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, si vous me permettez ce... Ah oui, oui, là vraiment, franchement, c'était une victoire sans coup férir de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Écoutez, moi je sais pas, bon, je voyais des analyses, même l'équipe TV, bon, avec un Raymond un peu déconnecté, des choses du football quand même un peu, même si parfois il a quelques fulgurances. Mais enfin bon, que dire de ce match, si ce n'est que l'Olympique Lyonnais a été supérieur au Paris Saint-Germain dans l'impact physique, sur le plan du jeu au milieu de terrain principalement, même si on était un petit peu diminué avec un Oussama Aouar un peu malade. Bon, on l'a payé tout de suite, et puis après on a vu la supériorité, oula. Pardon, excusez-moi, ça s'emballe, j'entends les supporters. On les écoute, les supporters. Ouais, parce que là, après, c'est tous les débats sur les sites de supporters. Bon, voilà, moi, vous me connaissez. Voilà, on est sur Parlons Ballon, vous êtes sur Parlons Ballon. On va débriefer tranquillement le match. Voilà, ouais, c'est supporters, merci à eux, ils ont été magnifiques. Comme d'habitude, ils sont très exigeants, les supporters de l'Olympique Lyonnais. Oui, ce sont des connaisseurs de foot. Enfin, pas tous, hein, parce que sur certains groupes de supporters, on a des fois des réflexions un petit peu étranges. Enfin, bon, du coup, c'est vrai qu'au-delà de s'emballer, voilà, petit cadrage. Oui, le gilet jaune. Pardon, le gilet jaune. Oui, le gilet jaune des supporters, en tout cas des commentateurs, des blogueurs qui ne trouvent difficilement leur place dans l'expression. Et dans le débat public footballistique, voilà, donc je me permets de me revendiquer en tant que gilet jaune blogueur, foot spécialiste de l'OL. Voilà, on est tout seul dans la catégorie. Non, j'ai quand même vu quelques bons. Il y a le Link quand même qui est assez drôle, voilà. Mais enfin bon, par rapport à des blogueurs marseillais qui cassent leur télé régulièrement. Regardez, j'ai un aquarium derrière. Alors, imaginez-vous, si bon, après j'ai pas de quoi non plus casser mon aquarium systématiquement, mais si j'étais marseillais avec un aquarium et que je devais le péter à chaque fois, franchement, on serait voilà, on serait plus on serait en haute mer, en très haute mer. Donc là déjà excusez-moi, par rapport à l'OM et ni tout ça, ça me fait rigoler. Bon, nous, on a un autre style, un autre... voilà, on ne sait pas dire qu'on n'est pas punchy aussi, mais bon, voilà, le public lyonnais est assez compliqué, assez difficile, il n'aime voilà, pas trop qu'on parle non plus, donc moi, je suis un peu aussi, parfois, dans quelques excès verbalistiques, mais bon, excusez-moi, là, la joie, le match. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que vous savez que Parlons Ballon, c'est quand même une émission qui propose du fond, du sérieux. Bon, on va pas revenir sur la performance du match. Bon, voilà, l'impact physique lyonnais, le pressing qui a été imposé. Bon, bah, Paris qui a quand même répondu. Il y a des très gros joueurs à Paris. Mais enfin, bon, je pense que l'analyse... oula, même le chat est content. Regardez, il saute dans tous les sens. Bon, on revient à nos moutons, si je puis dire. Voilà, le match de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir et Memphis ont été d'un poids permanent pour cette défense parisienne. C'est vrai que la fausse note, on va dire, de la soirée, c'est la performance en demi-teinte, moins qu'on puisse dire, de Bertrand Traoré, qui a été maladroit, un peu à l'image de ces dernières semaines. Bon, alors c'est vrai que la question se posait sur ses performances, il a fait un début de saison, il avait marqué quand même pas mal de buts.
Mais bon, attendez, je vais faire taire mon chat parce que oui, dès qu'on parle de Traoré, voilà, elle n'est pas contente parce que elle est pro-Traoré, elle. Donc bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les anti, les supporters qui aiment bien être contre, voilà, contre les anti-Génésio, les anti-Dubois, je sais, ils ont monté un groupe d'anti-Dubois, voilà, je sais qu'il y a des anti-Memphis aussi, parfois certains, il y a aucun anti-Lopez par contre, vraiment, il y en a eu, j'en ai connu un copain de Radio Pluriel, bon, je tairai le nom, bon, voilà, peu importe, je le salue, bien sûr, je lui fais une grosse bise comme à tous les auditeurs de Radio Pluriel et de Sport Actu tous les dimanches, bien sûr entre 18 et 20h autour de l'excellent Samy. Mais bon, voilà, en ce moment je suis en stand-by aussi dans ces émissions de radio, donc je me concentre un petit peu, voilà, mais là c'est un gros événement, donc le match contre Paris, donc on parlait de la performance de Traoré, moi je pense qu'effectivement il a peut-être un peu tout donné sur ce match, mais contestablement son apport dans l'équipe est... pose question, voilà, je poserai simplement les questions, c'est-à-dire que je vois, par exemple, dans la répartition des offensives lyonnaises, quand elles partent sur le côté de Traoré, c'est-à-dire à droite, et que finalement il n'a pas trop de variété dans son jeu, il est incapable de déborder pour centrer pied gauche, ce que par contre Memphis a fait de l'autre côté. Et puis je rappellerai juste quand même les chiffres de Traoré en termes de passes décisives, c'est 4 passes décisives depuis qu'il est à l'OL en championnat. Donc je veux dire qu'à un moment donné, il y a eu un problème avec Mariano l'an dernier. Bon, Mariano qui a marqué hier un super but de la tête, on l'embrasse, on espère le rencontrer avec Karim le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Parce qu'on compte bien passer contre le Barça. Donc c'est aussi un peu ça la question qu'il faut se poser, les amis. Débattre de la performance de Traoré sur ce match, je pense qu'on peut tous considérer qu'il a, même s'il a tout donné, qu'il est quand même assez limité. Moi je préférais Cornet parce qu'il écarte un peu plus le jeu sur son côté droit justement et il laisserait... Alors malheureusement que Memphis et Dembélé qui est en pleine forme, ils pourraient recevoir des centres de Dembélé, ce que Traoré ne fait jamais, il centre jamais quasiment, vous verrez ses prestations, pour les voilà, pour les connaisseurs, ceux qui regardent les matchs, il fait très très peu de centres, il enroute simplement des frappes, bon voilà, avec plus ou moins de réussite, et puis en tout cas il commence à devenir très prévisible pour les défenseurs libyens qui le connaissent, l'an dernier il y avait peut-être un effet de surprise, mais là voilà, donc je pense que notre ami Traoré, et moi ça fait un moment que je défends cette idée, c'est pas depuis le match d'hier, devrait évoluer dans son jeu et on devrait pouvoir le positionner étant un gaucher naturel, peut-être plus à gauche, voire peut-être même milieu de terrain, ça pourrait aider l'équipe également. Voilà, moi je suis dans une perspective d'intégrer tout le monde. Sur le mercato, j'avais émis quelques postes, oui, voilà, bon, j'avais demandé qu'on s'intéresse à Rabiot qui était en fin de contrat parce que je pense que c'est un investissement, alors après il y a un montage financier sans doute à trouver, un intéressement sur une revente plus-value après, mais enfin bon, je pense que ce garçon est un joueur qui pourrait tout à fait correspondre à l'Olympique Lyonnais. Alors moi j'écoute plus voilà la presse, ça me semble un garçon de principe, il a refusé de prolonger au Paris Saint-Germain parce qu'ils attendent la dernière année de contrat pour le mettre au niveau des autres stars. Alors ça fait 3, 4, 5 saisons, ça fait 7 ans qu'il est pro, Rabiot c'est un enfant du club, voilà, il n'a jamais été voilà, valorisé plus que ça, il doit avoir le salaire d'un Thibaut Kerrer qui vient d'arriver, ou voilà, donc à un moment donné, ils attendent la dernière année, donc je trouve que dans la politique de formation de PSG, il y a quand même des choses qui expliqueraient pourquoi lui, c'est un peu, voilà. Et puis concernant le fait qu'il n'ait pas été en équipe de France, bon, je rappellerai juste à quelques anciens supporters lyonnais que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Olympique lyonnais, à savoir Serge Kézian, notre enfin, le numéro 10 de l'époque, jouait Dinalo avec Lacombe, que j'ai vu jouer aussi les dernières années avant qu'on descende en Ligue 2, avait lui aussi refusé les sélections de l'équipe de France. Donc c'est un autre contexte, d'autres prétextes, mais bon, peu importe, je veux dire, c'est pas quand même... Et puis là, il était simplement réserviste, donc bon, voilà, je trouve qu'il faut quand même, voilà, après on parle beaucoup de sa mère, bon, qui s'occupe de ses intérêts, ben oui, ils sont pas avec des agents un peu douteux, bon, ben voilà, moi je trouve que plutôt un avis favorable sur ce joueur, sur sa façon de mener sa carrière, et je trouve que l'Olympique Lyonnais pourrait être un club qui lui correspond pour progresser, parce que bon, on le voit encore le match d'hier, bon voilà, alors même si c'est pas traduit, bon voilà, alors j'entends le PSG n'a pas vraiment joué, tout ça, mais arrêtez, vous avez pas vu le match, vous croyez que des joueurs acceptent de se faire presser comme ça, voilà, sans réagir, d'ailleurs le PSG a réagi, hein, le match
Le match a été superbe et voilà, mais bon, sur l'Olympique Lyonnais, voilà, sur le match en lui-même, bon, vraiment un bon point à tout le monde. Bon, on a senti peut-être bon, l'erreur de Oussem qui était un peu mal dans la semaine. Marcelo qui, bon, voilà, des fois il manque un petit peu de vitesse sur certaines actions. Et puis ben, Bertrand Traoré sur son côté qui a, voilà, qui a un jeu qui a énormément de déchets, qui peut occasionner des contres quand il perd des ballons un peu bêtement. Donc voilà, aujourd'hui la question se pose sur un peu Barça, c'est Cornet qui doit jouer ou pas, ou changeons de système, revenons 3-5-2. Bon, il y a Kenny Tété aussi qui range son frein, qui peut être une solution intéressante. Bon, de toute façon, là, pour le championnat, on va dire qu'il va falloir continuer d'augmenter un peu cette... C'est le nombre de points pour pouvoir être un peu à l'aise, pour pouvoir jouer à fond les compétitions dans lesquelles on est engagé, à savoir la Ligue des Champions et puis la Coupe de France. Hein, ça serait quand même super sympa de pouvoir gagner la Coupe de France. Mais moi, je pense qu'on peut quand même aller très loin en Ligue des Champions. Je sais que les... Bon, voilà, j'ai lancé plusieurs débats, les gens n'y croient pas. Mais écoutez, quand on voit le match d'hier, quand on voit les matchs contre Manchester City, quand on voit effectivement les joueurs qui montent en puissance, pensez-vous qu'il y a beaucoup d'équivalents aujourd'hui à Ferland Mendy sur la scène européenne, à son poste. Deneyer qui est devenu un vrai boss. Bon, Lopez, j'en parle même pas. Bon, certes, Marcelo, mais qui est un joueur d'expérience. De l'autre côté, on a un, bon, bah, Dubois qui confirme d'excellentes performances. Kenny Tété, qui est un international hollandais, qu'on connaît par sa foule, qui est un joueur qui peut tout à fait, sur un match, éteindre n'importe quelle vedette internationale. Il l'avait fait avec Neymar, il est capable de le faire. C'est un joueur sur lequel il faut compter. Marcel qui peut dépanner dans l'axe et qui a un peu pris la place de Morel. Je rappelle d'ailleurs que le 5-0 l'année dernière, enfin oui, en 2018, qu'on a pris le match aller, c'était un peu le match revanche. Morel jouait ce match et il avait fait plusieurs erreurs qui nous avaient coûté quelques buts. Vous savez, hey, le chat bouge la caméra, vraiment. C'est pénible, toi. Hein. C'est parisienne, qu'est-ce qui se passe? Bon. L'impression qu'elle a ses chaleurs. Bon, pas comme ça. Bon, oui. Bon, passons à autre chose. On va pas commencer à parler de. Voilà, j'enlève des. Voilà, des pubs qui débarquent. Bon. Voilà un peu le tableau sur la défense. Donc moi je pense qu'on peut faire face. Bon, le mercato a fait que de toute façon on a recruté nulle part, à part le jeune Boubacar Fofana qu'on avait vu jouer contre à Saint-Priest, que j'ai vu jouer contre MDS. C'est vraiment un super joueur, très intéressant, qui a été prêté à Ajaccio. Je crois qu'il a une petite blessure. J'espère qu'il va pouvoir jouer un petit peu en Ligue 2 pour être là. Il sera là, de toute façon ça a été annoncé. Après il y a eu un truc, Emmanuel Danso, ça je trouve que c'était un. Une fake, parce que bon, ça n'a pas été confirmé. C'était Olympique et Lyonnais, le site qui avait enfin, voilà, rapporté cette information. Donc il n'y a eu rien de vraiment de confirmé. Donc ça devait être un fake. Le mot d'ordre pour le mercato, c'est confiance aux hommes en place. Bon, bah, ça, on connaît. Hein, c'est un peu la marque de fabrique de l'OL, de l'Aérolas. Et je pense que ça, Domenech en a un petit peu témoigné voilà, sur l'équipe TV après le match, dans le débrief. C'est quand même quelque chose qui est important. Alors je sais bien que les supporters voilà, sont contre Bruno, mais enfin à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence, il y a quand même du travail qui est fait. Bon, moi je préfère être constructif et puis donner des avis quand voilà, le problème Traoré, ça fait pas une semaine qu'on en parle, ça fait des semaines, voire des mois. Et son positionnement et le fait qu'il empêche les autres vedettes. Moi, comment se fait-il que Memphis ne tire pas au but plus que ça? Il est bon là, hier, il a fait un match énorme en tant qu'ailier, ou sur son faux pied, il a quand même montré une certaine qualité que n'a pas Bertrand de l'autre côté. Donc sur son pied faible, Memphis a été vraiment très bon. Moi, je pense que voilà, on pourrait jouer aussi à deux devant avec Dembélé, qui est vraiment un joueur intéressant. Moi, il me rappelle de plus en plus Mariano. Voilà, c'est vraiment la générosité, le jeu de tête, le combat. Voilà, il vient du Celtic de Glasgow, donc il avait fait d'ailleurs l'année dernière un très très beau match contre Paris Saint-Germain. Il avait donc là sur l'action du penalty, ça m'a pas trop étonné. Bon, après, il s'est mis un peu au niveau. Il n'est pas non plus hyper efficace. Il loupe parfois des occasions un peu toutes faites. La semaine dernière, je crois que c'était contre à Amiens. Où, voilà, où
c'est vrai, ou en Ligue des Champions, il a croqué, comme on dit vulgairement, mais je pense qu'il peut quand même amener, et notamment dans le jeu aérien, moi je pense que c'est très important d'amener ce danger-là dans un jeu direct. Voilà, c'est quand même intéressant, d'autant que Nabil ne jouera pas le match contre Barcelone, donc Memphis peut être associé avec lui en attaque. Et donner l'occasion de Memphis de frapper plus au but, parce que c'est son point fort quand même à un moment donné, tactiquement, voilà. Donc les reproches à Bruno Genesio, je dirais, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, ben, je préfère qu'elle soit précise, parce qu'il est coach, et puis de toute façon, il a mis en place des choses, le 3-5-2, des choses qui ont fonctionné. C'est vrai qu'il tâtonne un peu trop, à mon goût, parce qu'il y a des choses que je vois et que donc je dis, mais bon, c'est aussi... le problème Pouzard, qu'il a quand même un peu plus mis sur le banc, parce que je pense qu'il y avait une vraie difficulté. Alors, au milieu de terrain, n'a pas recruté un joueur supplémentaire. Je pense que voilà, il faut pas qu'on ait de soucis. Hein. Le PSG, par exemple, on l'a vu. Verratti sur le flanc, Rabiot mis de côté. Au milieu de terrain, ils ont été dominés par l'OL nettement. Et je pense que c'est inquiétant pour eux pour la suite. Bon, le jeune Paredes a fait son entrée en Ligue 1 avec un tag de Nabil. Bon, voilà, un petit jaune orangé, mais bon, c'est bienvenu en Ligue 1 pour notre jeune, enfin voilà, pour ce jeune Paredes. On verra la suite de la saison. Bon, de toute façon, je referai une émission un peu plus longue. Certains toujours me dire c'est trop long. C'est comme ça. On est quand même dans l'analyse. L'aquarium tient bon. De toute façon, on va pas tout casser. Déjà parce que voilà, on est indépendant. On est bénévole, on va dire, au service. De vous, des supporters, de faire que c'est une chaîne aussi qui fonctionne un peu plus par le ballon. Alors j'aimerais, voilà, je fais un appel en même temps pour terminer cette émission. D'habitude, je vous la fais en musique. Là, je vais faire un petit appel. Ceux qui veulent effectivement collaborer à faire des choses des interviews dans des clubs, etc. Bon, voilà, il faut des moyens techniques, il faut des moyens, voilà, essayer de réunir tout ça. Moi, j'ai pas forcément tout ça à ma disposition. Donc, un projet de chaîne un peu alternative et qui tient à la rester. Je dis ça par rapport notamment à l'OL. Voilà, on a besoin de monde. Moi, je sais pas que j'ai pas envie de travailler avec l'OL sur un certain nombre de projets. Bien au contraire, moi, ça me ferait énormément plaisir faire profiter aussi de mon point de vue, mon humble expérience et puis quelques idées qu'on peut avoir sur le plan média, mais pas que. Mais en même temps, je me sens pas trop d'aller vers eux, même si je suis actionnaire d'une certaine manière. Bon, oui, voilà, d'une certaine manière, je suis fait partie un peu de la famille, comme on pourrait dire. Mais de pas trop les solliciter, parce que j'ai envie aussi de tenir mes propos indépendants. Et bon, après, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient mesurés, entendables. Parfois, ils créent la polémique. Souvent, bon, ils sont regardés un peu comme ça. Et puis, bon, voilà, on en pense qu'on en veut. Bon, voilà, l'idée, c'est quand même de transmettre un peu de passion, de transmettre aussi pourquoi on aime l'OL, pourquoi, quand on voit des jeunes joueurs qui sont des enfants, d'amis, de gens qu'on connaît, et puis bon, grâce à la formation de l'Olympique Lyonnais, ont pu devenir des grandes vedettes du football international, c'est déjà une raison suffisante pour être supporter de l'OL. Mais bon, l'objectif, c'est pas que ça, c'est aussi de gagner des titres. Et ça, les supporters, ils sont exigeants, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a parfois quelques petites incompréhensions. Mais vous voyez, autant sur Bruno je peux émettre des critiques, mais à chaque fois, quand j'émets des critiques, je dis, je donne à mon avis, il y a une solution, ou en tout cas, ce que je me semble être, après, il ne faut jamais s'en prendre à la personne, je trouve que c'est vraiment pas des choses à faire, d'ailleurs, que ce soit contre les adversaires, mais parfois, certains supporters lyonnais sont plus durs avec eux-mêmes et leurs joueurs qu'avec les adversaires. Bon, c'est un peu comme ça. Voilà, bon, écoutez, je vous embrasse. On refera un spécial l'OL Barça très prochainement, parce que l'événement va vite arriver. On repréciserera un peu les choses, on reviendra aussi sur l'historique, parce que quand même, l'OL, c'est le Barça, c'est un peu la bête noire de l'OL. On les a jamais battus en Ligue des Champions, donc
des fois, il faut que les choses elles arrivent. La loi des séries a toujours une fin. Donc là, on espère que ça va le faire pour nous. Voilà, je vous embrasse. Encore bravo Loël, bravo Bruno, bravo tous les joueurs. Même bravo Traoré, même si voilà, il n'a pas été fantastique ce jour. Mais bon, c'est pas l'une de nos armes principales. Voilà, Memphis et Nabil ont répondu à présent. Les vedettes lyonnaises, Mendy Ndombele, bon à voir. Voilà, un peu malade, mais c'est pas trop grave. Il a quand même fait son match. Et une bien bonne rentrée de Lucia, que j'aime bien aussi, dans cet impact player pour rentrer comme ça en fin de match. Bon, voilà, il sera sans doute lui titulaire contre Barcelone, puisque Nabil est suspendu. Enfin bon, voilà, beaucoup de choses. Je vais pas faire l'émission que je vais faire pendant une semaine maintenant. Bon, voilà, j'arrête. Bon, bah, pas de musique. Voilà, on fait ça de manière un peu brutale, mais bon. Allez, à l'OL.